c'est trop génial. J'ai hâte d'avoir un cheval à moi. Attends un peu, on verra avec tes cours si ça te plaît de faire du cheval. On n'a pas parlé de t'en offrir un pour l'instant. Pas la peine de t'emballer. Moi, c'est un poney qu'on m'avait promis et il n'est toujours pas venu. Franchement, Emma, la dernière fois que tu es montée sur un poney, ça t'a pétrifiée. Pourquoi vous gaspillez de l'argent à lui payer des leçons? Je peux lui en donner, moi. Je suis tentée de faire confiance à des professionnels. Tu crois que j'ai tort? Maman, à la fin, j'étais à l'aise. Je lui donnerai de bons conseils. Je suis ravie que tu t'intéresses toujours aux chevaux parce que j'allais te demander d'emmener Elliot. Moi? Il est trop petit pour y aller seul. Non, je suis pas trop petit. Si tu l'es, Emma, je n'ai pas le temps. J'ai rendez-vous chez le coiffeur et ça m'arrangerait bien que tu t'en charges. C'est un recycleur portable pour les épluchures. Il est alimenté par l'énergie solaire. Et il produit un gazole totalement bio. Ce liquide résout la pénurie de pétrole sur la planète. Ouais, mais pour ça, il va falloir éplucher toute la planète. Ah, vous ferez remarquer que cet engin m'a valu une nomination au prix du jeune inventeur de l'année. Je te félicite, Lewis. Maintenant, tu peux ranger ta merveille. J'ai bien peur qu'elle fasse fuir mes clients. Je trouve ça génial, Lewis. Vraiment? Oui. Et c'est super qu'on veuille te décerner ce prix. Attends, ce n'est qu'une nomination. Il faut que je batte Jamie O'Brien et sa machine à beurrer les toasts. La compétition promet d'être serrée. T'as pas de souci à te faire. Et dis donc, il y a un moment que j'ai très envie de te demander une chose, mais j'ai attendu, alors... Dis-moi ce que c'est. Voilà, ce prix va être très important. Une super cérémonie toute la soirée avec costard et cravate, une limousine qui vient nous prendre. Vraiment? Waouh! J'ai toujours rêvé de rouler en limousine. Eh ben voilà, tu vas le faire. Je te propose de venir avec moi demain. En ami, bien sûr. On passerait un super bon moment. Ils viennent me prendre ici demain soir à 20h. Lewis, je suis vraiment ravie pour toi, mais... je crois que ce n'est pas une bonne idée. Non. En tout cas, merci. Ah, ça valait le coup d'essayer. Alors, c'est lui le moniteur? Non, c'est un garçon d'écurie. Le voilà, le moniteur. Bonjour, voici Elliot, il vient prendre des cours. Il faut vous adresser à H. Je peux vous renseigner? Je cherche le moniteur, c'est toi? C'est moi, ouais. Il y a un problème? Non, je pensais juste que j'allais trouver quelqu'un de plus âgé. Plus âgé? Tiens donc. Et quel âge il faudrait avoir? Quand je prenais des cours, les moniteurs étaient adultes. Il y a longtemps que tu en as pris? Un bout de temps. Eh bien, moi aussi, ouais. J'ai commencé, j'avais 4 ans. Donc à présent, ça doit me faire 14 ans d'expérience. Génial! Moi, j'ai commencé à 6 ans. Il paraît qu'il était minuscule, ton poney. Voici Elliot. C'est mon frère, il est impatient de commencer. Parfait. Content de te connaître. Moi, c'est H. Et toi? Emma, dis, on pourrait peut-être visiter les installations? Bien sûr. Par ici. Je suppose qu'on a le droit de te féliciter. Ouais, merci. Il paraît que ça va être une soirée de gala, que vous allez arriver en limousine. Une vraie soirée de rêve, quoi. J'ai bien reçu ton appel. Tu n'oses pas me demander de venir avec toi? À moins que tu aies déjà quelqu'un pour t'accompagner. Oh, non, personne ne m'accompagne. Alors, je suis d'accord. Pourquoi pas? Génial. C'est impressionnant de regarder. J'ai hâte d'arriver à en faire autant. Ne t'excite pas, il fait son numéro, c'est tout. Robel est très bon aux obstacles, hein, Robel? Si on en a fini avec la démonstration, on peut peut-être passer à la leçon. Ouais. Et si tu as envie de monter, profites-en.
pendant que je vais rester avec Elliot. Moi? Ah ouais? Tu m'as dit que tu montais? Oui, bien sûr. Tu veux peut-être un cheval plus âgé, plus calme? Un de ceux qui servent pour les juniors? Non, parfait, ça va. Tu verras, Rebelle est très doux. C'est vrai? Mais pourquoi il s'appelle Rebelle? Tu veux que je t'aide à grimper? Non, merci. L'étrier est bien réglé. Ouais, il l'est, mais enfonce bien ton pied et hisse-toi ensuite. Compris. C'est presque ça. Attention à ne pas lui donner un coup de pied dans le flanc. Wow, wow, wow. Reviens là. Voilà. Très bien, Rebelle. C'est très bien. Descends. On va prendre un autre cheval. Un plus facile pour les débutants. Je reviens tout de suite. Essaie de ne pas l'embêter. Et viens. Laisse-moi tranquille, toi. Hé, hey, tu le fais exprès ou quoi? Emma, tout va bien? Non, attends, n'entre surtout pas. Je t'accroche une serviette à la porte. C'était trop marrant quand elle est tombée à la renverse dans l'abreuvoir. Alors dis-nous ce que tu lui avais fait à ce méchant cheval. Je ne lui ai absolument rien fait. Tu lui as rien fait? Si t'avais Elliot, écouté, je t'aurais... Tu avais bien dit que tu aimais le football, hein? Le cheval, c'est super. On doit y retourner dès demain. Je précise tout de suite que si toi tu y vas, moi je reste ici. Mais maman a dit que tu venais avec moi. Demain, l'école est finie, on doit aller faire une randonnée en forêt. C'est H qui l'a dit. H. Ça m'est égal ce qu'il a pu dire. Très bien, c'est d'accord. Ouais. Ce H a l'air de te faire un drôle d'effet. C'est curieux. Est-ce qu'il ne serait pas mignon des fois? Oh, elle ne l'a pas vraiment regardé. Non, il n'est pas mignon. Et d'ailleurs, s'il l'était, ça ne changerait pas les choses. Il n'est pas sensible, il est arrogant, il croit tout savoir. Je sens qu'il me plaît déjà. Mais pas moi. Emma, ne t'avoue pas si vite vaincue. Sois combative. Détends-toi, respire et va lui parler. Écoutez, ça va comme ça, les conseils. Regarde-toi avec Lewis, t'arrives même pas à avoir une conversation. Je te demande pardon, Cléo. Je suis fatiguée et contrariée, je voulais pas dire ça. C'est pourtant ce que tu viens de dire. Excuse-moi, je t'en prie, Cléo. Non, tu as raison. C'est une bonne leçon. Lewis, je crois qu'il faut qu'on parle. Tu en es sûr? Oui. Il faut surtout qu'on sache avoir de vraies discussions. D'accord, vas-y, je t'écoute. Bon, j'ai réfléchi à une chose. Le fait que maintenant, toi et moi, on ne soit plus que des amis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus sortir ensemble. Ah, oui, là-dessus, je suis de ton avis. Eh bien, merci. C'est gentil de m'avoir invité. Ce prix, je veux être là quand il va le recevoir. Alors Emma, ça y est, tu es oui, prête? Oui, j'en ai plus que pour une seconde. Il faut que je retrouve quelque chose. Est-ce que je peux porter la selle? Ça va, merci. Dis, je pourrais lui mettre la brise? Bientôt. Tiens, pour l'instant, passe-moi le tapis de selle. J'ai vu que tous tes chevaux sont ferrés. En les parant bien, ils peuvent marcher pieds nus. Un parage pour marcher pieds nus? Hein, mais tu es experte. Non, je sais juste que le sang circule mieux quand les pieds ne sont pas ferrés. Les sabots.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Les sabots. Tu as raison, mais nous allons souvent sur des chemins rocailleux. Il faut protéger les chevaux le mieux possible. Tu as serré la sangle sur cette selle? Oui, bien sûr. Bon, et sur celle d'Eliott? Il n'a pas la force de serrer à fond. Si, j'ai la force de le faire. Je l'avais serré avant. Bon, allons-y. C'est suffisant pour l'instant. C'est censé être une leçon. Tu n'essaies pas d'apprendre des choses à Eliott. C'est ce que je fais. Non, tu nous laisses planter sur le dos des chevaux. On appelle ça de l'équitation. Tu es le prof, non? Tu vas les donner quand tes cours. Tais-toi un peu, Eliott. Tu l'as fait payer très cher, cette leçon. Tu soucies. Eliott, laisse-nous parler tranquillement. Quoi? Charlotte, il faut qu'on discute à propos de ce soir. Oui, bien sûr. Comment tu t'habilleras? J'ai un costume, ça ira. Non, écoute, c'est important. Je te crois, oui, s'il te plaît. Mets une cravate rose, ça montrera qu'on s'est mis d'accord. Je suis contente. 6 semaines d'argent de poche, mais j'ai la robe idéale. Lewis. Cléo. Je suis si contente. Je suis prête pour la fête de ce soir. Je viens de m'acheter la robe idéale. Laisse-moi deviner. 6 semaines d'argent de poche. Non, 7. Ça n'a pas l'air d'aller. Si tu as des ennuis, dis-le-moi. Eh bien... voilà. Il y a que... je suis malade. Oui, je suis malade et je crois que je vais rester chez moi ce soir. Mais pour ta récompense? Ah ben, si c'est moi le vainqueur, ils pourront l'envoyer. Je suis vraiment désolé pour toi. Non, c'est rien. J'espère que tu vas te rétablir vite. Moi aussi. Charlotte, salut. Écoute, il y a un petit souci pour ce soir. Je crois que je suis malade. Oui, je suis très mal fichu. Je crois que je pourrais pas sortir ce soir. Ça va? T'as plus mal? Quoi? Tu vas dire que c'est de ma faute? J'ai bien serré les sangles, j'en suis sûre. Bon, c'est pas grave. Tiens, tu veux bien emmener Rebelle au pré? Il a besoin de paître. Oui, d'accord. Emmène-le dans le pré de devant. Dans la cour, il y a des herbes qui sont mauvaises pour lui. D'accord, oui. Allez, viens, Rebelle. Il est insupportable. Il me traite comme une gamine, comme si je ne connaissais rien aux chevaux. C'est bien le cas. Ça n'a rien à voir. Il doit me respecter. C'est moi la cliente. C'est un moniteur génial. Il est très adroit. Maman, est-ce que je pourrais apprendre le jumping? Non, pourquoi pas, chérie, dans la mesure où... Ne compte pas sur moi. Il est hors de question que je retourne là-bas. Oh, salut. Entre. Devinez qui est là. Maman, c'est H. H? Oui. Emma m'a tellement parlé de vous. Il ne faut jamais croire ce qu'elle dit. Oh, ce sont les amis d'Emma, Ricky et Cléo. Salut, très heureux. Moi aussi. Oui, moi aussi. J'ai quelque chose pour toi, chef. Étrier de bronze, je te félicite. Oh, cool! Normalement, on l'expédie, mais j'avais une course pas loin et tu mérites d'être fixé au plus vite. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est le meilleur. En tout cas, vous êtes très gentil d'être venu. Tu te rends compte, Emma? On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de diplôme pour Emma? Je croyais qu'elle venait t'accompagner. Je suis désolé, je ne l'ai pas évaluée. C'est ça. Mais Emma, si tu veux, je te fais passer un test, gratuitement. Ça me paraît honnête, ça ne se refuse pas. Si j'étais toi, je dirais oui. Mais moi, je dis non. J'en ai assez comme ça. Je vais le mettre à côté de ma coupe de foot. Oh, maman, est-ce que H peut rester déjeuner? Non, ne vous donnez pas ce mal. C'est vrai, il a sûrement plein de choses à faire. Ne refusez pas, il y en a largement assez pour tout le monde. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Reste avec nous, H, t'en supplie. Allez.
Si vous l'aviez vu franchir les haies avec Rebelle, il sautait jusqu'à 3 mètres de haut. Pas vrai, Ash? Oui, presque. Tu sais, Ash, Emma nous a dit que tu lui avais appris beaucoup de choses. La première fois qu'elle t'a vue, elle a été impressionnée. Bon, elle apprend à son rythme, mais une fois qu'elle saura se détendre, ça ira bien. Bon, on a fait le tour de la question. Tout le monde a terminé? Oh, je pense qu'elle va vite progresser. J'ai terminé, oui. Bon, merci pour votre accueil. C'était avec plaisir. Oui, Gus? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas le raccompagner? Plutôt me faire piétiner par un cheval en furie. Je te sens réticente. C'est dommage. Il est très mignon. Quoi? C'est pas possible. Je l'ai jamais emmené près de ces herbes. J'arrive tout de suite. Ça ne va pas? Un problème avec Rebelle. Il est malade. Ça ressemble à un empoisonnement. Il faut que j'y aille. Je suis désolé. Je crois que c'est moi qui ai empoisonné son cheval. Comment ça? J'avais emmené Rebelle dans la cour, près de ces plantes-là. Regardez. Des herbes toxiques. Je n'ai rien vu, mais il est possible qu'il en ait mangé. Il faut que tu le dises à Ash. Je ne peux pas faire ça. Je lui dirai quoi? Bien, que tu le détestes et que tu as voulu empoisonner son cheval. Ne rigole pas, c'est vrai, c'est un accident. C'est à moi d'arranger ça. Allez, à demain. Tu es sûre que ça va aller? Ne vous en faites pas. Pauvre Rebelle. Pauvre Emma, elle a complètement disjoncté. Encore une fois, on s'affole pour un garçon. Ne me parle pas des garçons. Tiens, tiens, je vois. Il en est où, Lewis? Il m'invite à sa cérémonie et puis il me dit qu'il est malade et il restera chez lui. Et je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Cléo, il a toujours de l'affection pour toi, c'est une chose certaine. Vous restez amis. Alors pourquoi tu n'irais pas prendre le prix en son nom pour le lui remettre chez lui? Ça, c'est une super idée. Ça m'arrive des fois. Excuse-moi, Gus, j'assume ma responsabilité. Oui, heureusement. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de solution. Je n'en vois aucune. Il va éliminer le poison, mais la faiblesse lui a valu une infection. Le veto vient demain, mais je ne sais pas s'il passera la nuit. Emma? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un aveu à te faire. Je crois que c'est moi. J'ai peut-être laissé Rebelle manger des herbes toxiques. C'est pas vrai, je t'avais averti. Je le reconnais, c'est vrai. Pardonne-moi, Ash. Mais il y a peut-être un remède pour le guérir. En lui donnant un bain glacé, la fièvre peut tomber assez rapidement. Lui donner un bain glacé? Je t'en prie, encore un remède de bonne femme qui traîne sur le net. Ça peut marcher, crois-moi. Emma, je n'ai aucune envie de m'amuser, d'accord? C'est sérieux. Laisse-nous tranquilles. Ça suffit pour aujourd'hui. Faut que je ferme, Lewis.
Oh, attends encore un petit peu, la limousine vient à 20h. D'accord. Alors en fin de compte, tu y vas tout seul. Ouais, en célibataire. Les filles, c'est difficile à trouver. Très difficile. Waouh, la chance a l'air de te sourire. Charlotte? Lewis? Tu n'es plus malade? Si, encore, mais ça va mieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je comptais te faire une surprise, te rapporter ton prix. Bah, je te remercie, c'est vraiment très gentil à toi. Non, c'est rien, mais comme tu vas mieux, allons-y comme prévu. Oui, peut-être qu'on avait parlé de... Lewis, j'étais venue... Charlotte? Léo? Ça a l'air d'une blague, cette histoire, mais... Heureusement que c'est une limousine. On peut se mettre à trois sur la banquette. Je ne trouve pas ça drôle. Et moi non plus. Oui, d'accord, une minute, maman. Emma? Bonjour, j'étais venue voir Rebelle. Mais... Ça... Sa fièvre est tombée. Il est en pleine forme. Ça alors? Comment tu as fait? Juste un tour de magie. Hein? Ça veut dire quoi? Tu vas te faire engager comme vétérinaire? Ça m'étonnerait. Après ce qui vient de se passer, ils ne me laisseront plus jamais monter à cheval. Oh, dommage. C'est que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu gardes un souvenir un peu ému de cette aventure. Je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Alors, ça a été comment ta soirée? Qu'est-ce que ça fait de voyager en limousine? Je vois. Qu'est-ce qui t'a encore fait? Je ne vous raconterai rien. Mais il y a une chose qui me console, Charlotte a eu le même sort. Toujours pareil. Vous vous faites avoir par les garçons. Tu peux parler, toi.